Mes amis US, mes animaux aussi, l'heure est grave. Ce soir, pour ce stream, je dois quand même signaler qu'il a fallu lutter. Il a fallu lutter contre des événements improbables, probablement mis en place par des sources secrètes influentes qui veulent bâillonner l'information, qui veulent museler le savoir. Et qui donc ont fait que j'ai fait deux streams complètement foirés, OBS, et en plus mes compétences tout à fait géniales, pour rien, alors que ça concernait un chef-d'œuvre absolument génial. De surcroît, la malédiction me suit. Et quand je dis malédiction, je n'exagère pas. Je veux bien entendu parler du robot copyright de Twitch. Fini les intros et les musiques et ces grands phrasés absolument lyriques qui permettaient de vous mettre en bouche. Désormais, j'ai décidé que toutes les intros seraient faites avec des voix de GPS étrangers. Aujourd'hui, nous commençons par l'Allemagne. De fort belle manière, je dois admettre. Hein. Mais enfin, ceci n'est pas franchement extraordinaire. Alors, est-ce qu'on se le stream, ce putain de petit chef-d'œuvre des années 93? On va voir si Mam veut bien se lancer. Je vous laisse avec le GPS, le temps de régler mes comptes avec Mam. Oh mein Gott, il fonctionne! Je suis choix, je suis bonheur, je suis petit cuicui auf der Baum. D'ici à ce qu'il plante, le temps que j'active sa fenêtre, il y a des choses qui sont assez incertaines. Madame, madame. Non, mais je crois qu'on est arrivé là, va falloir s'arrêter. Alors là, J, est-ce que j'ai le jeu cette fois? Est-ce qu'on va pouvoir le streamer? Eh bien non, j'ai le son, mais pas le jeu. Quelle sottise! Mais quelle sottise, je vais la frapper. Alors, capture de jeu. Une des puques. Alors, j'ai mis le temps, mais j'ai quand même réussi à trouver la petite fonction qui vous permet de... Oh, je vois, oh miracle. Vous adaptez à l'écran apparemment. Il y a une merde incroyable. Qui c'est qui a touché ça? C'est pas possible! Nom de Dieu, je m'absente 5 minutes, le chat, tout de suite, il arrive, il débarque, bim. Je vais regarder un truc de chat, c'est bon, et je te fous la merde. Je suis tristesse, je suis désespération temporaire. Je n'arriverai jamais à streamer ce putain de jeu. Oh, touche plus rien, ne respire plus. On va la refaire. 3-4. Hey, salut à toi, internaute. Ce soir, tout va bien se passer dans ce stream qui fonctionne à 100%. C'est trop génial, j'adore ça. Youpi, youpi. Et donc, on va vite, avant que ça plante, essayer un jeu extraordinaire de 1993, fait par Toaplan, qui s'appelle V5. Et là, je fais la grosse voix. Si je fais la grosse voix, en fait, c'est pas pour rien, c'est parce que ce jeu, ben, 93, les mecs, ils étaient en train, mine de rien, de nous mettre en place... tout ce qui allait générer ce que par la suite on appellerait des Danmaku ou des Manic Shooters. Ça veut dire, en traduit intelligible par l'humain non gamer, bah des patterns de boulettes assez travaillés, assez évolués, qui font que ce soir dans ce stream qui se fait dans des conditions qui sont ce qu'elles sont et que j'ai énumérées déjà préalablement, se fait très très tard, donc je risque d'être vraiment pas bon du tout. Le principe est assez marrant, puisqu'en fait, il y a une espèce de crossover avec Gradius, notamment la jauge en bas, qui fait que vous attendez, à force de ramasser des bonus, qu'elle monte à l'endroit pile où vous voulez, le bonus que vous préférez, et vous l'activez. Le jeu, vous allez voir, il se présente de manière sympa, mais très rapidement, et il vous pose la question, c'est qui le boss? C'est qui le boss? Et je dois vous avouer que sur les premiers runs, en général, vous finissez par rapidement admettre, c'est-à-dire niveau 3 en général, que c'est le jeu le boss. Et vie, il faut savoir admettre. Bim, 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 bim. Ah, oh, joie! Tout fonctionne enfin dans ce stream, j'y crois pas. Alors, petit détail sympa, vous pouvez régler l'ouverture de vos satellites sur le côté,
pour avoir vous-même le tir concentré selon vos souhaits, quoi. Bon, vous connaissez mes petites tendances. Oui, le tir en V, c'est mon truc. Moi, ça m'éclate. Donc, je vais me contenter de concentrer quand j'aurai des affreux qui méritent un acharnement un petit peu plus massif. 93, le PPR, quoi. Et c'est jouable, c'est super animé. Il y a du boulot de sprint. En veux-tu, en voilà. Là, on le voit pas encore, mais vous inquiétez pas. Les patterns dont je vous ai parlé vont pas tarder. Et comme par hasard, je vais beaucoup moins parler, c'est étrange. De là, ce qu'il y ait une relation entre la densité du pattern et l'espace disponible dans le cerveau d'un humain pour arriver à générer des phrases qui se limitent en conséquence, il y a une théorie à développer que, bah, qu'on a déjà vu. Alors vous me direz, ouais, cool! Cool, parce que vous manipulez pas là, mais il y a un problème quand même. C'est que il n'y a pas de super bombe. Donc forcément le jeu prend tout son charme là. Parce que quand vous repartez à poil et qu'il y a le moindre boss de niveau intermédiaire, il est pas passé loin, allez, qui se présente, en général vous faites pas trop le cake, quoi. Genre s'il dit là, c'est qui le boss? Genre petit mouvement de tête pour faire voir que vous êtes pas d'accord, quoi. Mais faites pas le malin. Alors le jeu, il faut savoir, ça fait partie des petits détails que vous découvrirez à force de faire des runs dessus, parce qu'au début il y a quand même une belle petite phase d'apprentissage, on va pas se mentir. Donc le truc du jeu, c'est que je vais pas arriver à parler. Ça recommence. Mais non. Le truc du jeu, putain, mais laisse-moi le caser. Je fais la grève de la voix off. Parce que j'arriverai pas à caser mon truc. C'est dramatique. Donc le truc du jeu. Ça va être le running gag de ce stream. C'est qu'il est assez sympa, virgule. Quand vous jouez comme une burne, pour, virgule, point, à la ligne. Pour, bah, si vous perdez deux fois de suite au même niveau dans votre avancée, le gars il va être super sympa, il va faire top, il me fait pitié, allez, tiens, je te donne un bonus. Et là vous avez le bonus Max Power qui apparaît sur l'écran et que vous n'avez aucune excuse de rater, puisque les programmeurs ont été assez sympas pour vous filer un bon coup de main, histoire d'avancer, de pas trop mettre de pièces dedans. Alors faut savoir que ce jeu il existait en arcade, si je dis pas de conneries, sur la Dreamcast. Non, pas sur la Dreamcast, sur une autre console, mais de la même génération, je me rappelle plus. Là, s'il y avait des tirs en V, ça serait juste parfait. C'est peut-être un peu trop demandé. Non, je veux pas un speed-up, parce que sinon après c'est moi qui vais me défoncer la gueule tout seul dans tous les objets que je vais croiser. Surtout pas le speed. Non, monsieur. Non. Mais non. Mais non. Non, 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 non. Et c'est quoi ça? Et oh. Non, putain, il est revoilà. Choc. Faut que je le garde, c'est mon tir fétiche, celui-là. Faut plus que je m'en débarrasse, parce qu'il est trop bien. On s'entend bien. Chacun son petit tir. Moi, celui-là, c'est le mien. Après, les autres, je les vis un peu moins bien. Ah, zut. Je vais commencer à avoir mal. Il y a intérêt qu'on continue. Ah, voilà le fameux spécial dont je vous parlais. Tiens, toi, t'as joué comme une burne. Il y a un niveau qui arrive, là, mais tu vas pleurer. Donc, allez, tu fais pitié. Il y a un cadeau. Et là, il y a votre mère qui voit qui se passe à l'écran du coin de l'œil derrière et qui fait toi t'es cool, et elle range son portefeuille dans son sac, elle est pas mal contente, et vous aussi. Oula, j'ai fait une merde là. Non, je ne change plus de tir, celui-là je l'aime d'amour, il me va très bien, mais lâchez-moi, je veux garder ce tir. Alors, est-ce que je prends un speed-up ou pas? Ça, c'est la grosse question. Non, ça va bien se passer. Dieu, mais il me gonfle, lui.
Oh, puis il y a toute la famille. Je vais prendre ce bonus juste pour faire chier. Ah, vite ça, faut que je m'en débarrasse absolument, sinon je vais avoir un énorme problème. Et vous avez vu la gueule du problème? Il est vraiment énorme. Ça va, ça se passe pas trop mal. Puisque je vous garantis qu'il est 2 heures passées du mat là quand même, et voilà. C'est le late night stream. Alors là, surtout pas leur laisser le temps de rester à l'écran à eux, parce que sinon ils vont me mettre un merdier. Voilà, c'est parti pour la fête au slip. Mais en restant zen, ça se gère. Hein. C'est comme tout. De toute façon, les shmups, c'est ça. C'est 50% réflexe, 50% zénitude. Attendez les gars, j'ai plus le bon tir là, ça va pas du tout. J'avais mes clés qui rentraient dedans. Ça, c'est la super excuse à 2 balles. Essayez, ça marche de partout. Pour n'importe quoi. Pour le boulot, pour les rendez-vous galants, tout ce que vous voulez, ça fonctionne. Je ne peux pas, j'ai mes clés qui me rentrent dedans. D'ailleurs, je devrais monter une boîte qui formule ce genre d'excuses pour les gens. Je raconte absolument n'importe quoi pour meubler parce que là, je commence à me dire que on va peut-être pas voir beaucoup plus loin si je remets pas de la monnaie dans la barre. Bon, la musique, c'est un style. Hein. On n'en a pas parlé, mais c'est peut-être pas mal qu'on n'en ait pas vraiment parlé de la musique. Parce que ils ont raté dans la musique tout ce qu'ils ont réussi ailleurs, en fait. Et ailleurs, ils ont tout réussi, c'est génial, c'est magnifique, c'est jouable, il y a du pattern. 1993, le pépère. Et puis j'ai mieux d'où ils viennent, vos Tonton Pachi et compagnie, maintenant. Et oui, extraordinaire, hein. Ouh, merde. Ça, c'est parce que j'ai dit un truc sérieux, je pense. Je peux pas avoir le super... Non, bon, d'accord, ok. Non, mais c'est bon, je vais m'en arranger. Y a aucun problème. Je gère. Je gère, pour l'instant. Et ça va pas durer, je crois. Même la moitié du super bonus, non? Non, non, ok. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'aurais dû prendre le speed, peut-être. J'aurais carrément dû prendre le speed, là. Je vais être un peu contrarié, je pense. Oh, putain, ça peut être... Ah, faut être focus hein, sur celui-là, il pardonne pas. Merde! Oh non! Je ne vous ferai pas voir la suite pour la peine, parce que j'étais très très long en intro et je m'en excuse. Mais il faut dire qu'il y a eu pas mal de circonstances. Hein. C'est le stream le plus long à faire que de la création que j'ai eu, je crois. Un truc de barré. Et puis, ça n'aura pas empêché de vous faire voir donc V5. Je vérifie, j'avais ouvert mon micro au début du stream, ça aurait pu être marrant. Oui, je vois la chose qui n'est pas de la jungle qui bouge. C'est fort rassurant. V5, mettez-le d'office dans votre collection. Je vous garantis que vous passerez d'excellentes soirées, tout seul ou avec des potes. Ce truc-là est vraiment bien foutu, et c'est vraiment sans déconner tout à l'heure que je vous disais que ce jeu-là fait partie de, ouais, des origines du Danmaku, parce que vous avez vu la gueule des patterns. On sent que sur l'échelle graduée des shmups au fil du temps qui passe, la densité de boulettes est en train de se mettre en place à un niveau qu'on n'avait pas vu avant. Hein. Et effectivement, les Danmaku ne sont plus très loin derrière. Sur ce, je vous remercie d'être venu. Un petit bisou, on se retrouve pour un stream de shmup, ça c'est certain. Il y aura aussi la suite du stream en cours sur Oxenfree, où je refais le jeu, en mode psychopathe lover, j'appelle ça. C'est-à-dire, t'y vas, mais si t'as une opportunité de te faire quelqu'un, tu te le fais, mais sinon t'envoies chier tout le monde, t'es désagréable avec tout le monde, t'es la peste du coin, quoi, la peste du clan. Bon, c'est pas mal pour l'instant, disons que l'avantage c'est que vu que j'ai fait un premier run, ça va vite.
Et je suis curieux de voir si on en apprend plus sur les événements et, entre guillemets, habitants de l'île. Je vous en dis pas plus. Allez, sur ce, à bientôt, je vous laisse sur cette belle nuée de boulettes. Bye!